Bon, petit souci avec les supports de bobine. Pour certaines bobines, les grosses bobines, il y a un problème d'axe. Là, sur les petites, pas de souci. Mais là, sur les grosses, c'est le bordel. J'ai déjà raté des pièces à cause de ça. Donc là, j'enlève. Je vais faire voir ce qu'il y a. Là, j'ai mis un tube, mais c'est pas encore assez efficace. Donc là, j'avais mis un tube de PVC à l'intérieur, parce que le trou est trop gros. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, alors là, c'est la catastrophe. Donc, j'ai téléchargé une pièce que j'ai trouvée sur Internet. Parce que moi, j'ai pas encore de truc pour... J'ai pas encore, j'aurais pu la fabriquer, mais je l'ai téléchargée. Je vais vous faire voir. Là, voilà la bête. La petite pièce que j'ai faite. Donc, j'explique la bobine, le trou, l'axe, c'est le bordel, ça fait un balancement, puis c'est lourd, ça fait 1 kg quand même. Donc là, et là, l'axe, il va être dans le milieu. Je parle de cet axe du support. Je ne sais pas si dans la caméra on voit, oui. Voilà. Donc là, je vais refaire un petit rajustement parce qu'il y a un peu de jeu quand même. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du scotch autour assez costaud là. Pour que ça soit vraiment pile poil dedans. La prochaine pièce que je vais faire, je vais rajouter 2 mm. Voilà. Le problème qu'il y a avec les grosses bobines comme ça, bah moi avec mes enrouleurs. Bon, il y a certainement d'autres moyens. Hein. Bon voilà. Pour cette explication-là.